Et bonjour à tous! Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Star Wars Jedi Survivor, bien sûr. Bien sûr, le retour du Jedi. Retour du Jedi. Je me rappelle plus où j'en étais. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Ça fait rien, BD. On trouvera un autre moyen. Je sais pas du tout où faut aller là. C'est ça? Je peux pas encore l'utiliser. Viens te faire foutre. Oups. Comment je dois faire? Alors là, salut Voteur, comment ça va? C'est vrai que ça fait combien de temps que t'es pas passé? Je suis pas beaucoup. Je dois aller où là, bordel? Je dois aller où? Après cette semaine, je live un peu plus tôt. Je live généralement entre 15 et 20 heures quand j'y arrive. Parce que ça fait longtemps que je travaillais pas du matin. Et je t'avoue qu'en ce moment, me lever à 5 heures, j'arrive chez moi à 15 heures, je suis éclaté. J'ai commencé à jouer la semaine dernière, ouais, Star Wars Jedi Survivor. Par contre, là, je sais pas ce que je dois faire. De toute façon, c'est pas du tout par là. Hein. De toute façon, c'est pas du tout là. Hein. Plus. La dernière, j'ai commencé Star Wars, j'ai commencé Diablo 4 aussi.
avec ses proches. On a juste à traverser cette forêt pleine d'impériaux et de bêtes voraces. Bon, let's go. Steam. Merci Steam. Une capsule de Steam. Ce sera utile. Ah ouais, je pense que en ce moment j'en vois pas mal des mecs qui racontent. Après, j'avoue que j'en ai déjà 3 là. C'est déjà pas mal. Entre Ego, The Great Review et Combo, c'est déjà pas mal. Ça s'appelle Leak. Bienvenue, Jedi. Santar écrit. La voie que nous devons suivre n'est pas toujours immédiatement visible. Ce n'est qu'avec la patience, une réflexion approfondie et la sagesse de la force qu'elle apparaît. Eh ben let's go, c'est juste pour ça. Bon après moi ça me va, hein, parce que vraiment je joue pas un jeu Star Wars pour avoir des énigmes quoi. Je préfère que les énigmes soient super simples. Santarikri ne prend jamais la fuite face à un défi. Non, et elle semble exceptionnellement motivée par cette tâche. Et pas la boule. Ça modifie dessus. Là il y a un truc. Beaucoup plus compliqué, ah ouais. Ah ouais. Quoi? Ah putain de truc. Pour l'instant c'est pas là, je pense. Hein. On va voir ce qu'il y a par là. Déjà qu'il y en avait qui avaient du mal. Ah mais c'est juste ça. Merde. Ah, trop bien ça par contre. En gros, il n'y avait pas le... la... l'indication pour le jeter. T'as rajouté comme ça sur gâteau d'or du coup. Mais non. Mais non. Oh. Ma gueule là.
Oui, il est un peu fou. Ah, si ça respawn, j'ai ça. Je le vois, y'a aucune raison. Il respawn. Il respawn. Vas-y, mais il va se faire foutre le jeu là. C'est con. T'as à quoi de pouvoir lancer le truc s'il respawn? Merde. T'as chier. C'est con. Il va devoir un truc là-bas. Trouver la tournante. Où ça? Bien. Ah mais attends. Et oui. Abuse frère. Mais une courbe, ça la respecte pas. Est-ce que je peux pas... Ah, je veux un peu. S'il y a pas là. Putain. J'étais content du jeu jusqu'à ce qu'il y ait les ennemis, quoi. J'en peux plus. Quoi? Attends, il s'est passé quoi là? Du scam? Quoi cette merde? Cam. Est-ce que Cam la gueule là, putain. Oh bah voilà, d'ailleurs ça marche pas.
passe? Oh, quel est le but de tout ça? Bon. Non, je peux trouver une solution. Miko, par contre, les impatient. Bah, c'est nous bien. Sommes tous passés par là. Voyons comment il s'en sortira. Z, c'est sûrement de quoi il s'agit. Mais attends. Ah. Ouais, c'est si j'ai là-bas. Où est-ce que je peux aller? Oui, il marche pas bien lui. C'est le même endroit. Ah, ok. Prends le bâtard. Abuse. Je veux pas le prendre. C'est juste. Je vais me prendre. Dis-moi le tien. C'est juste ça? Oh, le seum, c'était même pas obligatoire. Quoi? Et fous-toi pas de ma gueule, toi. Vraiment, oh, je se fous de ma gueule là. Je suis en Jedi, je sais même pas sauter. J'ai le seum. 41.
Comment je vais faire? Bon, alors. Wesh, laisse-moi partir, Gunkong là. Tire poutre. Ouais, ça va aussi. C'est une dinguerie. Mais ça va aussi! C'est quoi cette règle de grappin de merde là? Ça va! Plateforme ici. Putain de merde, sinon là. Gros chiasse.
Même pas du tout par là en plus. On s'arrête un instant. Non, 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 dégage. Où c'est ça? N'ont pas l'air d'aimer les impériaux plus que nous. Rive, salope. Oh, la merde, ça, je le sens. Ça va, il passe mal en vrai. Juste tout à l'heure ça. Donc je suis revenu au endroit là. Pour les tout là-haut là. Un peu là.
mieux. Tais-toi. Putain de merde, quel Jedi de merde. C'est vraiment le pire Jedi au monde, frère. Il sait même pas monter un putain de truc parce que c'est un peu glissant. Va te faire foutre. C'est bon aussi là, putain. Que je voulais dire. Yeah.
Bon, je sais rien. On peut aller comme ça en plus. Eh putain, cette merde là, casse les couilles. Hein. Quel est le meilleur endroit pour boire un verre dans la vallée? Il paraît qu'il n'y a pas mieux que le Pailoun Saloon. J'avais peur que tu dises ça. Un jour, quelqu'un ouvrira une autre cantina.
bien faire l'Empire sur une planète reculée comme Kobo. Un scan? Tout à toi, BD. J'ai besoin d'un style. Dieu, pas fou, toi. Par ici, BD. Aide-moi. J'ai besoin d'un remontant. Oh, c'est juste ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a pas l'air très sûr. J'ai du mal à respirer. Et wesh! Je peux rien faire en plus une fois que j'ai... pourra peut-être nous en dire plus. Tu crois que cette substance a quelque chose à voir avec le complexe ? Hop là, en initiation. Voilà donc l'œuvre de Santarikri. Si le reste de l'histoire de Zed est vrai, la clé de Tanalore devrait se trouver dans les parages. Oui.
De courant. Cet endroit a dû être abandonné et oublié. Oui. Je suppose que Zed n'a pas oublié. Après toutes ces années, elle n'a jamais abandonné sa mission. On peut pas la laisser tomber. C'est parfait ça. Je peux pas l'ouvrir. Oh, va se faire foutre. Wesh. Ok, ça fait mal. Trouvons un autre chemin. On pourra peut-être l'aider plus tard. Il y a quelque chose ici qui a un gros appétit. Je peux pas l'ouvrir. Il m'offrir, c'est bon, moi vivre. Faire foutre. Quel groupe de merde. Viens là, BD.
déjà vu ce genre de technologie, mais pas à une telle échelle. On s'arrête. Oh. On peut y aller ? Viens d'où toi ? Quoi ? Mieux vaut retenir son souffle avant de traverser ça. Les bestioles qui vivent sur le complexe sont l'air assez énervées. C'est peut-être à cause de la poussière. Les patrouilles impériales n'aident pas non plus. Ça pourrait être utile. Ça ne bouge pas. C'est bon. Défends-moi. L'Empire n'est vraiment pas dans son élément ici. Oui.
Attention, BD. Bien gentil. Je sais pas quoi dire d'autre. Serré, je pensais que... Non, tu ne pensais pas. Tu as perçu une menace et tu y as répondu. Si l'ordre s'était remué, on n'aurait pas perdu la République. L'Empire, la nuée d'action, la moitié de la galaxie souhaite notre mort. Oui. Les chances sont contre nous. Mais elles le seront toujours, quoi qu'il arrive. Cal, le combat n'est pas forcément la solution adaptée à tous tes problèmes. Ce n'est pas le moment de se battre. Ça, c'est de la vitesse. Merde là, putain, qui a idée de mettre les mobs là? Ça a marché. Continuons d'avancer. Je me demande depuis quand il était coincé dans ce truc. On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses.
rien vu. Putain, me dis pas, faut que j'aille récupérer les trucs là-bas là. Je connais ça. C'est la même technologie que celle de la salle de Z. On n'est plus très loin. Faut le faire, non ? Ah. Voilà ces droïdes espions. On n'est pas les seuls à s'intéresser à ce complexe. Fouiller l'intégralité du complexe, BD. Voilà notre dernière étape. Si la clé de Tanalore existe, alors elle doit être là. Et sinon, c'est que Z a vraiment pété un câble. Oui. Ce sceau me paraît familier. Ça doit être là que Saltarikri avait l'intention d'envoyer Z. La clé de Tanalore a été cachée pendant des siècles. On doit d'abord rétablir le courant. Ça a marché. On dirait que le contact est actif. C'est l'heure de vérité. Attaque. Bienvenue à Tanalore. Ah. C'est magnifique. Oh. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser ? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. On pourrait croire que tu es devenu humble. Qu'est-ce que c'est ?
La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Nous allons construire le temple ici. Oui. C'est aussi ce que je pensais. Lui. Oh, c'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie Santari, et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalor ? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème ? Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. L'abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Oh ouais, putain, merde. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout Maître Rancis. Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le conseil aussi. Aient confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a ? Préviens les autres. On nous attaque. Je ne devrais pas être ici. Libère-moi. S'il te plaît. Bon. Es-tu ? Je t'ai vu. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Gera ? Oui, c'est moi. Tu es un Jedi ? Oui. Mais les choses ont changé depuis ton départ. Un seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son empire. Ils ont détruit l'ordre. Et ils traquent ceux d'entre nous qui ont survécu.
peut les affronter. Ensemble. Oui, je suis de retour. L'ordre n'est plus. Je dois retourner à Tanalore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri ici? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... Ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tanalore et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé? Oui. C'était ma découverte. Mon foyer, et ils voulaient que je fasse une croix dessus. Dagan, attends. J'ai dit non. J'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance totale. Non, arrête. C'est sûr. Qu'est-ce que t'as fait? Et... Tu ne connais rien de moi. Je ne retournerai jamais en prison. Ton ennemi. Il ne reste plus que nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Remis.
Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends! Traître! La clé de Tanalor. Est-ce que Kree parlait de Dagan? Comment elle aurait pu confier Tanalor à quelqu'un comme lui? Là. Hop. Tanalor était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre. Le conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui, au moins... Elle ne leur a pas vu tomber du côté obscur. Mais merde, je suis con. Sympa la vue, hein, mon pote. Je me demande si Gris et Baud ont réparé le Mantis. C'est imbuvable. Oh, va te faire foutre. Moi, bah, j'aurai plus d'interdit. Non, mais ça va aussi. Regarde un peu ça. T'es fait là, elle. Vous êtes nouveau ici, hein? C'est ça. Alors, il y a un endroit que vous devriez aller voir. Il y a un type, un passionné de pêche. Il navigue au pied de la montagne. Il est verra. Désolé. On peut pas remonter ce cours d'eau. Pas sans aide. Oui. Super.
j'en ai à foutre de ces putain de faces de merde là, j'en peux plus. Tanalor existe. Et c'est peut-être le dernier recoin de cette galaxie encore à l'abri de l'Empire. J'aurais aimé que tu la vois aussi, Bélier. Pas vraiment te faire enculer. Je crois qu'on vient de trouver le moyen de sortir d'ici. Doucement. Nous ne te voulons aucun mal. On est parti. Encore de la priorité. Je me demande combien on peut en tirer chez Doma. Je suis sûr qu'on peut passer ce portail avec un peu d'aide de notre nouvel ami. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. Et n'importe quoi. Tu connais Kobo comme ta poche, hein. Char des sables. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des Jawa pas loin. Le Mantis est visiblement de retour. Allez, BD, rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. Let's go. Allez. Zed. Comme neuf. En effet, ce mixolode mécanique fait de vrais miracles.
Dan alors? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses, mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? C'est vrai. On a de la place pour toi. Je vais rester ici, mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc? Un autre Holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Tan alors. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! La vie s'engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Un havre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empire galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Grise, on aurait besoin d'un vrai pilote. Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potolite dans un temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, Cal. Non, je regrette. Je suis trop vieux. C'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Bon, je peux éventuellement demander... à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous. Mais il n'y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine. Plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi. Ah, c'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Ceres planque dans le désert avec des ermites bizarres, les Anachorètes. Hein? J'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jeddah. C'est Ceres. Il est prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holo projecteur. Hé, Cal, regarde le long projecteur. On a un appel de Jeddah. Ici. Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. Ceres est là? Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux.
dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi? Elle envoie quelqu'un d'autre? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. Bon. Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Allons retrouver l'escorte de Céré. Le point de rendez-vous est droit devant. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Passant. Ouais, c'est bon. Bon, les couilles. Je dois faire attention. Je me bats les couilles. Okay. Ah!
va te faire foutre, c'est bon. Oh, zone de merde. Putain, je vais te faire tout le tour là, ça casse les couilles. Se dirige vers le point de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte de Céré avant nous. Oui, je l'ai vu. C'est quand ça, putain de merde? Respectable. On dirait un parchemin. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Ennemi en approche. Oui, écartez-vous. Il a l'air faible. Fuyez, écartez-vous. Empêchez-le de se soigner. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Sure. Concentre-toi. C'est tout bon, BD. Oh. Wow. Parti. Un de plus. Bien fait. Un chat pour la tête. C'est sûrement un Jedi.
Oula. Oh ouais. Alors, tu m'observes ? Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir ? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, Calcestis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens, mon speeder est là-bas. Ton Land Speeder ? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors, on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trompés, nous aussi. Tu es prête ? Essaie seulement de me suivre, Jedi. On les vaincra ensemble. Je vais le retenir. Ça marchera pas, ça va. Esquive, la prochaine fois. Prends ça ! Arrête-le ! Attends, signal. Pardon. Reste concentré. Où toi ? Cal, le mur. C'est pas fini. À nous deux, on peut la voir. Je suis avec toi, Jedi. Allez, vite. Mais non ! Capture. Laisse-moi m'en occuper. Je vais la voir. C'était le dernier. Tu as appris de nouveaux tours. Toi aussi, on dirait. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher ? Je croyais que t'étais parti explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jedha ? Jedha fait partie de la galaxie, Cal. C'est bon à savoir. Je passe voir Serré de temps en temps. Quand j'ai su que le Mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Ah bah merci. Oui, ça pourrait marcher. Bien. On devrait se dépêcher, Cal. Une tempête approche. Ah putain, une clé va. Ouh, je l'ai en fait. Ça, c'est vraiment ça, c'est ce que je suis pas assez prêt.
à chier ce Jedi de merde là. Abuse. Des stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Comment tu parlais sûr? Et abolition. On nous signale des ennemis dans la zone. On envoie une autre équipe d'éclaireurs. On est déjà pas bien nombreux. Reste-toi là et ouvre bien vite. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Allez, tu es. Comme l'autre fois sur Nar Shaddaa. Exactement. Je te suis. C'est une première. Il est là. Attrapez-le. Cal, attention. Je suis à tes côtés, Cal. Un coulis, ouais. J'attends ton signal. Encore un. Ça va? Ça va, oui. Par contre, mon speeder, même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Moins que... À quoi tu penses? On pourrait se trouver un transport? Très bien. Suis-moi. Ouah! Malheureusement, non. Alors il faut trouver. Là, tu le vois? Oui. Bien. Putain, mais il est trop con, lui. Toujours aussi habile. BD a l'air d'être à la traîne. C'est juste une blague, droïde. Je pourrais faire ça à l'infini, c'est trop nul. Par là. Trop nul. Elle n'est pas coincée, j'espère. Oh les gars, fais des blagues. Nom d'un site, c'est bloqué. Ça c'est bloqué. Oh, attention. Oh la nulle, putain. Tu essaies de me tuer? Désolé, je pensais que... C'est bon, mais je peux le refaire. Je vais réparer ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh la réparo. Ce que tu as plongé dans le chaos. Oh, incroyable. Ah la réparo. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Je me reposerai quand on sera arrivé à la base de Serré. Où tu as appris ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Mes sœurs sont parties, mais leur sagesse reste. La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi le protègent. Peut-être que quelqu'un à la base de Serré saura quoi en faire. Allons-y. Tout va bien? Il est plus puissant que je le pensais.
Mérine, tu t'en occupes ? Bien sûr. On se retrouve de l'autre côté. Ça quand même. Allez, on sort les. Je briserai ta garde. Jetez à l'œil. On va l'atteindre. On est en train de tous se défoncer, let's go. Ouh, c'est moi. Peur de toi. Je sais. Il me surnomme le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein ? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Ah, j'ai pas vu. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Prendre plusieurs vies pour bâtir tout ça. Et maintenant, ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant mes voyages. Tout a une fin, Calcestis. Pas tout, non. Là en haut. Là, ça crève. J'en ai fait établi. On dirait des Jedi. Zeré dit qu'à Jedi autrefois, les gens vénéraient les tiens. C'était peut-être le cas. Des Jedi. Qui c'était ? Non, mais Céré peut-être. BD, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal ? Tu as toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était une blague, j'espère que tu vas tomber. On va les exterminer. Let's go. Oh, merci. Un nid de Skryton. Mais où est le Skryton ? Quelque chose approche. On peut l'avoir ensemble. Très bien. Vas-y, maintenant. Ah. J'ai besoin d'aide. Ça dégage.
Putain. Aïe. Beau travail. Toi aussi. Un coup de main? En ai-je envie. Beau travail, BD. Merci. Serré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Voilà. Le spamel. Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un? Je peux essayer. Une oasis! On est sauvés! Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Tu es fatigué? J'ai besoin d'un instant. De l'aide? Merci. Oh, le vent. Mais je me débrouille. Oh oh. On y va. C'est loin. Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Et maintenant. Putain, il est horrible ce truc. C'est sans blague. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie tout entière. Presque. C'était comment? Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaia, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire? Bien sûr. On vit à une époque. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. Ou que j'aille. Il n'était jamais très loin de mes pensées. Le chemin du retour. Femme, c'est... Vraiment, l'animation est dégueulasse. Tu as évité Serré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être parti? Je m'y attendais pas vraiment, Mérine. On part tous dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite? Plus vite. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux même pas regarder la map. Il faut qu'on se dépêche. Ce spamel est effrayé. Il me résiste. Rien.
C'est le chemin de toute façon. Faut foutre. Allez, hop. T'entends ça? Oh, impossible. Le Spamel a dû trouver un abri. Par ici. Ce Spamel nous a sauvés. On peut lui pardonner de nous avoir abandonnés à une mort certaine. C'est vrai. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécues depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Et... je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais ça implique de ne plus se battre. Et me battre, c'est tout ce que je connais. Tout ce que je connais, moi. La baston. Tout ce qu'on veut, c'est la baston. Il te réchauffe. Il te tient compagnie dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Ça fait réfléchir. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Mérine. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Pas de soucis. Qu'as-tu trouvé? Rien. Je me suis trouvé. Waouh. Je me suis vu dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvert.
Datomir sera toujours mon foyer, mais ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais avec du recul, je crois que tu as fait le bon choix. Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y. Let's go. Mais en Steam. Le jeu, moi, c'est des Steam. Non mais j'ai commencé le jeu, j'ai plus de Steam que mon ancien quand je l'ai terminé. Eh bien, on a survécu à notre première tempête ensemble. En effet. Je suis content qu'on ait pu se revoir. Tu restes combien de temps sur Jeddah ? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de revoir Gris. Ah ! Ça peut aller. Il a ouvert une cantina. Qu'est-ce que j'aime pas ces trucs-là ? Bailoon Saloon. Il l'a nommé en hommage à son arrière-grand-mère ? Rien n'est plus important pour... Mais foutu pas de ma gueule ! Ça va aussi ! C'est bon ? Bonjour, mon ami. Quel plaisir de te revoir enfin. Mais il est pas mort, lui ? Maître Cordova, c'est un honneur. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Cal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, je n'irai pas jusque-là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux, mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez, je vais vous escorter à l'intérieur. Maître Cordova, avez-vous retrouvé les Efo ? Seulement des traces de leur passage qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a mené à mon apprenti. Vous venez, Cal ?
Comment allez-vous, Cal? Ça n'annonce rien de bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant? Les autres. Cette base est bien cachée. Ouais. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour un combat direct. Mais nous faisons notre possible. Il est bien entendu essentiel de tenir notre œuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement? Posez plutôt la question à Serré. En attendant, Meryn et moi accueillerons les nouveaux arrivants. Alors, comment était le désert? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme ces jours-ci. Où avez-vous échappé à la tempête? Dans une grotte après le vieux marché. Notre ami Spamel nous a montré le chemin. Vous avez le chic pour vous faire des amis où que vous alliez. L'instinct de survie, peut-être. J'ai intercepté des communications impériales. Votre réputation vous précède. Il y avait de la crainte dans leur voix? Je pense que oui. Bien. Comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Le thé que vous m'avez apporté était délicieux. Fasse quoi? Maître Cordova et moi allons attendre Grise. Va parler à Ciri. Il faut continuer. Frère Arnias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jeddah. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Reconstruisez les archives du temple? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit? Tu n'as jamais demandé. De plus... il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister.
qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Mmh. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais... pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés et sauver des vies. Quand vous êtes parti, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que les Jedi étaient plus que des armes. Mais nous avons tous deux un rôle à jouer dans ce combat. Et c'est pour ça que je suis là. Serré. Regardez-moi un peu ça. Hé, hey, Serré. On peut pas dire que ça manque de personnalité. Mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Hé, hey, bonjour, BD. Bon, hey, ça va, hein? Alors, comment c'était dans le désert? La tempête a couvert nos traces. Mais malheureusement, l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé, puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce? Je vous présente Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon un problème. Hé hey, on est tous ensemble. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous amène tous sur Jedha? On recherche une planète cachée. Tanalore, vous la connaissez? Elle est de l'autre côté d'une nébuleuse mortelle, l'abysse de Kobo. Eh bien, nos archives sont incomplètes, mais je suis sûr que Maître Eno Cordova est à la hauteur. Avec plaisir. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à la chercher. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Gera, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Non, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Gera. Il avait une base sur Kobo. Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. À vous deux. Mais de rien, Cal. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Que la force soit avec vous. Et avec toi. Fortuna. Fortuna. Claqué. Dégage. Je vais te raccompagner au Mantis. Donc tu viens pas avec nous? Je peux pas. Respire. C'est tout bon. Eh ben si. Allez, cours. C'est elle. Merde. Cal, attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Et je me suis dit que ça pouvait être... Meryn, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu...
Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Un vrai Stormtrooper est toujours en mouvement. Faut bien commencer quelque part. Et ben voilà! Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis quand pour Serré? Je ne travaille pas pour Serré. C'est vrai. Désolé. Détends-toi, Cal. Concentre-toi et appuie sur la lance. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Tout le monde. Impressionnant. Je crois que t'as compris, Cal. C'est sympa de te voir, Meryn. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. Kobo ? Planète suivante. Va pour Kobo, c'est ma tournée. Attendez, oubliez ce que j'ai dit. Hop, on va s'arrêter la nuit. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal finalement. Tu les avais pas traités de cinglés? Mais ça c'était avant que Serré me dise qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon? Ouais, ils bossent avec un groupe qui s'appelle le Passage. C'est du top secret. Le répète à personne surtout. C'est compris. On dirait que t'as une bonne équipe. Enfin, que t'avais. Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr. Alors comme ça, Corneva pense qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repère de Dagan. Exactement. Tu y es déjà allé? Une fois. J'étais habité à l'époque. Maintenant, c'est plus qu'un tas de regrets et de vieilles pierres. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. La recherche de Maître Cordova montre qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Hop là. Déjà on change la posture.
Voilà, écoutez. Hop. Et... Parfait. Pour ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars. On se retrouve demain pour un nouveau live. Allez, ciao, ciao.